Bonjour à tous, je suis ici avec André Laurent, salut. Salut Patrick. Alors ici encore une nouvelle petite réalisation ici. Oui, donc ici on a une petite réalisation de deux bassins avec une rivière et un petit jardin asiatique qui va avec. Beau dénivelé quand même déjà ici. Oui, donc ici on a environ 1,80 m de dénivelé sur une longueur de 9 mètres de rivière. 9 mètres de rivière, ça commence à le faire. Oui, donc ici on a mis déjà presque 3 tonnes rien que dans la rivière de Dordogne. C'est ça, alors bon, ici tu as travaillé avec différents minéraux. Oui, donc on a travaillé sur tout un assemblage de cailloux différents, de teintes différentes pour faire une belle harmonie avec le jardin. Alors bon, ici il faut préciser que bon, c'est un bassin qui vient juste d'être fini. Oui, donc le bassin il y a 15 jours qui fonctionne, qu'on a mis la filtration en route. C'est un filtre à chambre et on a eu un petit souci en faisant la réalisation. C'est-à-dire que quand les bassins ont été faits, on a relevé le terrain et on a ramassé un très gros orage qui m'a mis environ 400 kg de terre dans l'eau. Donc il faut le temps que le filtre digère tout ça. Oui, maintenant il faut le temps que le filtre le reprenne. C'est déjà pas mal. En 10 jours, on voit déjà une très nette amélioration. Mais c'est pas encore totalement parfait. Hein. Alors je suppose un UV ici dessus? Oui, donc on a un UV 55 watts de chez TMC. Et alors, bon, question de pompage, tu as prévu quoi comme pompage ici? Alors c'est une pompe de chez Cibo, une pompe 26 000 litres à l'heure, qui fait l'alimentation du bassin, du filtre et de la rivière en même temps. C'est une seule pompe qui alimente le tout. D'accord. Bon, ben, c'est une filtration classique, pompage classique, voilà. Mais bon, quand même un gros débit, parce qu'il faut relever le mètre 80. Oui, il faut relever le mètre 80, donc on a environ une dizaine de mille litres à l'heure qui passent dans la filtration. Le reste est un retour direct pour alimenter la rivière. Hein. Alors bon, ici, il faut dire, bon, il y a deux bassins, tu as une idée de la contenance? Oui, donc on a environ 21 mètres cubes. On a un bassin qui est prévu pour du koi, beaucoup plus profond, il a 1,80 m de fond. Et on a un bassin à poisson rouge en dessous qui fait environ 1,40 m. C'est ça. Donc n'oubliez pas, quand on fait ce genre de réalisation, donc à deux étages, qu'en finalité, il faut bien faire le cumul des deux et pas voir les bassins indépendamment, puisque bon, c'est une seule pompe et elle doit passer la moitié, toutes les heures, dans le filtre. Oui. Donc ici, on est juste pile poil à la moitié du bassin. Alors bon, c'est un bassin qui vient juste d'être fini. Bon, il faut un petit peu que les plantes prennent de vigueur maintenant. Oui, maintenant, toutes les plantes viennent d'être piquées. C'était toutes des plantes en conteneur pour pouvoir les repiquer à peu près n'importe quand. Bon, il faut compter environ un an pour que les bruyères qu'on a le long des escaliers puissent couvrir complètement leur bord de la rivière. Et il faut compter 3 à 4 années pour que tout le reste soit vraiment bien étoffé. Dans le jardin. Bon, écoute, André, ce que je te propose, c'est qu'on reviendra faire un petit tour d'ici quelques temps pour voir comment tout ça évolue. Oui, on pourra venir voir l'évolution, il n'y a pas de problème. Hein. Vous êtes les bienvenus. Eh bien, en tous les cas, je te remercie. Bon, on rappelle peut-être l'adresse internet de ton site. www.lecoy.be. Donc, c'est facile à retenir et puis vous trouvez ça facilement sur Aquatech Nobel aussi, hein, dans la liste des liens. Donc, il n'y a pas de souci. André, un grand merci à toi et puis à très bientôt, sans doute, pour d'autres réalisations. Certainement, oui. Salut à tous et comme je l'ai dit toujours, surtout, ne soyez pas sages. À bientôt.